Vous savez que mon rêve, c'était d'être médecin. Ouais. En général, je fais ça sur scène, je fais ça dans mon bureau. Là, je vais le faire pour la première fois. Là, pour la première fois, je vais vous montrer que je peux aussi faire un examen médical, surtout quand des clients sont des clients pas comme les autres, puisque je vais ouvrir mon cabinet de temps en temps, surtout quand Maria et Christian arrivent pour la première fois, car Maria et Christian, ce sont les Baudins. Installez-vous. Merci, docteur. Voilà, Madame Baudin, c'est Christian. Je suis content de vous avoir comme nouveau client. Oui, oh, ben, ça me fait plaisir. Content, nous, vous savez, hein, moi, on vous verra, mais on se portera avec mon gamin. Hein. Bon. Comme on dit par chez nous, vaut mieux payer le boucher que le docteur. Exactement. Hein, très bien. Alors, on va commencer par une espèce de médecine préventive. Hein. Ouais. Oui. Je vais poser quelques questions. On va regarder ensemble les résultats de vos analyses que je viens de recevoir. Voilà, expliquez-nous ça, parce qu'on a essayé de lire ça avec ma mère, on n'a pas trop compris. Même, du même, chinois, pour même pour le titre. Alors, honneur aux dames. Voilà. Pourriez-vous me dire, entre nous, ça ne sortira pas d'ici, à Maria, quelle est votre consommation d'alcool quotidienne? Ah, ça, c'est la question qui tue, ça. C'est pas facile à estimer. Moi, quand j'ai soif, moi, je ne peux pas vous dire mieux. Oui, mais vous buvez quoi? Ah ben du pinard, pas du liquide vaisselle, c'est une bonne blague. Et en quelle quantité? Oh, 2-3 en moyenne. 2 ou 3 verres? Ah ben non, 2-3 litres. Par semaine? Par semaine, qui dit? Oh ben c'est un comique, lui. Ben non, par jour. Par jour? Ben oui. Tout s'explique. Ben oui. Regardez. C'est là les analyses. Ça, c'est les gamins j'étais. Ah oui. Bon. Ça, c'est la normale. Oui. Ça, c'est vous, ça. Ah oui, d'accord. Ben au-dessus de la moyenne. Ah oui. Ah oui, tout le contraire de mon gamin quand il était à l'école, quoi. C'est vrai. Bon, il va falloir quand même faire attention. Hein. Ah oui. Il faut boire, mais avec modération. Avec modération, vous m'en direz tant. Je trinque tous les jours avec mon voisin Marcel, mais c'est vrai que modération, il passe pas souvent se faire payer un coup à la maison, lui, modération. C'est timement modération, déjà. La vedette. Je m'en doutais qu'il allait choper ça au vol, lui. C'est pour marquer dans son analyse à lui qu'il est con comme la lune et qu'il n'a jamais eu une éclipse. Hein? Bon, Christian, à vous. Ah oui, vous, c'est plutôt la charcuterie. Hein. Ouais, la charcuterie. Oh là là. C'est mon petit péché mignon. Ah oui. Ça et la branlette. Surtout quand c'est ma mère qui me l'a fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Moi, j'adore la branlette de morue, surtout quand c'est... Surtout quand c'est ma mère qui me l'a fait, c'est... La branlette de morue, abruti, pour la branlette. C'est pareil, hein. Ah pour... non, justement, pas exactement. T'as fait peur au docteur avec tes conneries. Ah, j'ai eu peur. Ah, pardon. Bon, revenons à nos moutons. Bon, oui. Alors, Christian, cholestérol, faut faire gaffe. Hein. Oui, c'est vrai. Si vous voulez vivre... Oui. De près, votre danse impressionnante. Oui. Si vous voulez vivre aussi vieux que maman, il va vraiment falloir réduire votre consommation de charcuterie. Ah ben, d'accord. Je vais vous dire, excusez-moi docteur, c'est pas pour remettre en question vos compétences, mais s'il veut vivre aussi vieux que sa mère avec le même régime que moi, de la charcuterie, c'est pas la moitié qu'il faut qu'il en mange, c'est le double. Comment ça? Ah oui, ben parce que moi, ça fait 87 ans que j'en bouffe tous les jours de la charcuterie et 2 fois plus que lui. C'est pas trop, hein, parce qu'elle a de l'appétit, ma mère. C'est pas parce que j'ai plus de dents que j'ai pas les crocs, hein. Donc il faut se méfier parce que les vieux, c'est comme les bulldogs. Tant que ça bouffe pas, ça bave. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah oui, hein. Vous remarquez ça. Je compte sur vous pour faire attention quand même. Hein. Ouais, ben ouais. Alors, vous levez le pied et vous remplacez la charcuterie par des légumes. Oh, ben vous, non, ben vous êtes pas mignon, vous. Mais moi, je vais vous dire tout de suite, c'est pas avec 2 pouces de soja puis 3 radis que vous allez me caler le colon. Hein, ouais, ben non, c'est des légumes. Les légumes, c'est pas. Vous allez être bonne, vous savez pas. Faut mettre la rillette avec les cornichons. Ben oui, parce que si je comprends bien tout ce que vous nous dites, docteur, là. Oui. D'après vous, pour rester en forme, il faudrait arrêter le pinard, arrêter la charcuterie et manger que de la salade et des carottes trempées tous les jours, c'est ça? Exactement, madame. Ouais. Vous avez tout compris. Et comme ça, vous finirez centenaire. Oh, ben, ce régime-là, je sais pas si je vais finir centenaire, mais je vais me faire chier, surtout. Hein. Oh non, écoutez, docteur, moi, je vous aime bien, on n'est pas là pour se fâcher.
Alors, si ça vous dérange pas, les pissenlits, je les boufferai par la racine quand je serai dans le trou. Mmh. Et puis, en attendant, eh ben, je vais profiter de la vie. Et puis, on va lever le camp, Christian. Parce que l'heure a tourné. Puis, oui. Moi, j'ai un beau cuisseau de sanglier qui est au four en train de rissoler. Je voudrais pas qu'il brûle. Et ça avec un petit saumur champigny, ça va être épatant. Épatant, elle est pas belle, la vie. Voilà. Allez, on va vous laisser, docteur. Puis, surveillez-vous quand même. Hein, ouais. Parce que je sais pas où en sont vos gammas CGT à vous, mais vous avez, vous avez le teint bien pâle. Hein. Oui. Mes gammas CGT. Mes gamins. Ah ben oui. Les boudins. Allez. Nice. Oui. Merci, docteur. Attendez, Maria. Hein. Bien. Hein. Et attendez, Maria. Ah. Merci beaucoup. Ah là 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 là. Merci. Vous êtes gentil. Voilà. Mettez-vous là, Maria. Voilà. Merci. Vous me mettez à côté de l'hôtesse de l'air. Bonjour, ça va mon petit Ken? Comment ça va? Ça va bien? Ah oui, quand même, oh là là. Oh, Danny, ah ben oui. Enlevez-moi le sous les yeux, je vois qu'ils sont dessus. Et puis Thierry qui est là. Bonjour Maria. Ça va mon Thierry? Bon, ça va Maria. Je te connais depuis longtemps. Toi, t'es jolie, toi aussi. Merci. J'étais comme ça dans le temps. Non. J'ai fait une grosse gastro en 26. Ça m'a zigouillé. Ah oui, hein. Les Baudins, si vous n'avez jamais vu les Baudins sur scène... C'est incroyable. Allez-y, ils sont complets pendant 2 ans encore. Et si vous êtes en vacances du côté de Tours ou de Châtellerault, vous allez les voir car ils jouent leur spectacle en juillet dans leur ferme. Dans leur vraie ferme. Voilà. Ah ouais. Et moi, je les ai vus dans des zéniths. Ils ont leur ferme, les animaux. Ah oui. Il y a le médecin, il y a le facteur, il y a tout le monde. Il y a quelques années, Thierry est venu, c'était parrain. Ah, et puis alors, j'ai un scoop, hein, comme ça on dirait qu'il est obligé d'y venir. Oui, l'année prochaine, c'est Kev Adams, le parrain. Et oui, il va venir. Hein. Tu les as vus sur scène? Oui. J'ai vu des extraits et ils sont incroyables. Et vraiment, c'est un... Enfin voilà quoi, je trouve que c'est la pure tradition de la comédie française. Ils font un truc qui est dingue, je leur ai dit déjà, et je les trouve absolument dingues. Et c'est pas un succès étonnant. Voilà. Mais par contre, dans le sketch, le déguisement le plus flippant, c'était le vôtre, Michel. Hein, voilà. Merci à tous.